Salut tout le monde, les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour mon tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, pour le tout premier vlog, ça sera du coup de la moisson, donc la moisson d'orge et aussi de la moisson de colza. Donc franchement, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Donc les amis, voilà, je tiens à vous dire que je suis pas un professionnel, c'est mon tout premier vlog sur ma chaîne YouTube, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, on est parti pour les plans. Donc c'est un T6 du coup qui transporte la benne et Roland la Roll Speed du coup. Franchement les amis, il y a un très très bel ensemble. Regarde, regardez la bête du coup, elle est juste là, franchement elle est juste derrière moi. Donc je sais pas, moi j'en ai combien en vrai. Je sais pas du tout, je ne suis pas un pro dans la culture, je sais pas du tout. Mais franchement les amis, elle est vraiment énorme, regardez-moi ça les gars. Elle est juste énorme, franchement c'est une dingue. On est dans le champ de colza du coup, on est arrivé avec Nathan, donc il va vous expliquer un peu le colza. Donc vas-y Nathan, je t'en prie. Donc là le colza en fait c'est des siliques, vous voyez, okay. Et demain quand vous en prenez une, il y a les graines. Il y a les graines, d'accord, ok. Des petites boules noires comme ça. D'accord. Et là récemment il y a eu de la grêle avec les orages. Ouais, de fou, ouais. Passés. Et là par exemple, j'ai un exemple, en fait ça s'est totalement égrené, ce qui fait que les graines sont tombées au sol. Ouais, du coup c'est mort quoi. Et voilà. Donc, d'accord, ok. Les rendements ils sont... épuisés. Il y a combien d'hectares à peu près? Cette partie là il y avait 12 hectares. 12 hectares, ok. Et vous avez vous vendez ou vous stockez à la ferme directement? Non, là c'est livré chez un négoce. D'accord, ok. La culture est tout simplement à la levée, elle était réussie. Un vol d'insectes qui est venu, on a traité, cette parcelle a été traitée à plusieurs reprises, mais avec la sécheresse des cousins ont remonté la pente. D'accord, ah et oui, d'accord. Et là, ils ont été grêlés à un fort pourcentage. Oui, ils annoncent, il y a eu beaucoup de grêle, on m'a dit, Nathan m'a dit. Ouais. Il y avait eu beaucoup de grêle. Et du coup, vous avez perdu, vous avez eu beaucoup de dégâts ou pas dans les colzas? Oui. D'accord. Oui. Et du coup, il y a combien d'hectares là à faire en colza du coup là? Au total? Ouais, au total, ouais. Là, il en reste à peu près, à partir de ce chantier-là, il en restait 35 à 40 à battre, là, et la saison, elle est finie, parce que j'ai commencé depuis l'année dernière. La barre de coupe a fait combien de mètres, là? Elle fait 7,60 mètres. Et l'autre a fait combien? 7,60. Pareil. Et oui, car je ne vous ai pas dit, mais il y avait bien sûr deux moissonneuses. Donc il y avait la section 6700 qui était en train de battre l'orge, et il y avait aussi la section 660 qui était en train de battre le colza dans notre parcelle. La classe section 6700 qui moissonne l'orge a été achetée cette année, et la section 660 qui moissonne le colza a été achetée il y a maintenant 5 ans. C'est la fin de ce vlog, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu, soyez indulgents, c'est le premier. Je voulais donc remercier Nathan qui m'a permis de réaliser ce vlog en allant contacter des agriculteurs et des entrepreneurs. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram sur lequel il poste de très belles photos agricoles. Merci également à l'agriculteur, ainsi qu'aux entrepreneurs qui conduisaient les moissonneuses, mais principalement au chauffeur de la Lexion 660 à qui j'ai pu poser plusieurs questions. Je voulais aussi remercier Tati qui m'a aidé à faire ce montage ainsi que la miniature. Sa chaîne sera en description de la vidéo. Sur ce, à bientôt pour un prochain vlog. Salut tout le monde!